C'est pour ça que je vous dis de pas mettre des framboises près de votre jardin. Salut, c'est Malo. Je vais vous montrer une vidéo un petit peu différente cette semaine. Je vais vous montrer la maison. La maison où est-ce que je croyais être heureuse, mais clairement qui montre que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, elle est incroyable, je vais la montrer, je vais la souligner, on va faire la petite tournée ensemble, puis après ça, ben, on va passer à d'autres choses. Comme une version de Cribs. Cette maison a été construite en 1974 par un architecte, Monsieur Coulombe, lui, je crois que son père, c'était un constructeur d'église, fait que lui, c'est un maçon. Ils ont fait de l'ouvrage là-dessus, là, pour te donner une idée. Ça fait les trois étages. Fait que je vais faire la petite tournée. Commençons par en bas. L'entrée principale. Salut! L'entrée principale qui donne sur la salle familiale. Donc, c'est assez énorme. On peut voir qu'il y a un, deux, trois divans, un piano. Il y a encore de la place. Tu sais, ça n'a pas rapport. Ça, c'est la pièce de résistance. Elle fait les trois étages de haut, l'escalier en spirale tout autour. Mais là, c'est sûr qu'il y a des affaires un petit peu qui traînent, mais bon, c'est ça qui est ça. On dit au revoir à ce beau, à cette belle petite maison. Ça, c'est le petit bar avec un évier. Ça ici, c'était mon studio où est-ce que je montais toutes mes vidéos. Il y avait déjà le green screen peinturé sur le mur. Là, j'étais en train de tout débarrasser mes affaires. Encore des garde-robes. Il y a des garde-robes partout. Ouais, je vais m'ennuyer de ce sauna-là. Le sauna m'a aidé à guérir beaucoup d'affaires. La salle électrique. Donc, puis, il y a une petite chambre froide juste ici. Donc, c'est quand même assez grand comme salle électrique, là, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. On continue. On monte en haut. Master bedroom. Avec deux walk-in. Here's my car. Hey, darling. Hey, puppy. Storage.
Chaque chambre à coucher dans cette maison a un walk-in et deux fenêtres. Chaque chambre, c'est 12 par 12, c'est assez, c'est des grandes, grandes chambres. Closet. Garde-robe de cèdre, cedar closet. The girls' bathroom. A shower. Look at that. Whoops. Stepped in something. Puis c'était ma salle de massage que je suis en train de dégrayer tranquillement pour emmener chez Katia. Donc, il manque des affaires, mais ça s'en vient. Another walk-in. Il y en a tellement qui me disent « Malou, qu'est-ce que t'es folle? Pourquoi tu laisses ça derrière? » Le bonheur n'a pas de prix, les amis. Donc, j'ai bâti l'abri de spa avec mon ami Sonny, lui qui va m'aider à bâtir ma maison. On a rajouté le spa. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a fait nous autres, c'est qu'on a rajouté la remise. Ça, les amis, c'est pour ça que je vous dis de pas mettre des framboises près de votre jardin. Ça va tout envahir. Mais regardez comment ils sont beaux, par exemple. Il y en a vraiment beaucoup, là. Je pense que je vais venir les aider à cueillir ça. Parce que, oh boy, il y en a beaucoup. Regarde ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Donc ça, ça met ça. C'est pas mal ça, le tour de la maison que je laissais hier. Merci Ben de m'avoir acheté un château. Puis merci de me laisser partir.